Anne, dans les rues de Paris, avec Jérémy Anne-Salag. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est au salon du mariage et vous allez voir, ça donne envie. Enfin, presque. Vous faites quoi de vous marier ? Chaud, beaucoup de stress. C'est vous qui avez décidé de vous marier ? C'est un secret. Ouais. Toute la vie, à même partenaire, vous en pensez quoi ? C'est dur, mais on va y arriver. Pourquoi vous voulez vous marier ? Parce que je l'aime. Et vous, pourquoi vous voulez vous marier ? Pour les impôts. Pour les impôts. Et parfois, vous vous dites que c'est une mauvaise idée ou pas ? Non, jamais. Non, jamais. Jamais. Là, il y a... Comment ? Il a fait un regard ? Non, pas du tout. Non, je crois qu'il a regardé la caméraman. Mais... C'est ça, exactement. Et t'es ? Bah, on essaye, hein. On essaye. 3 ans avant le mariage, je suis avec un couple qui essaye d'être fidèle. On fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut. Alors c'est quoi sa plus grande qualité ? Son grand cœur. Elle a un sacré grand cœur. Et vous alors ? Sa gentillesse. Il a mis du temps quand même à trouver. Hein. Ouais, c'est ça, il est parti. C'est notre objectif, mais le stress. Il est gentil quoi. Non. Serviable, gentil, voilà. Serviable. Ouais. Serviable et gentil quoi. Ouais. Bah, ça, on est en 2023 maintenant, on n'a pas le temps. Nous deux ? Nous quatre, nous trois, y'a pas de soucis. On peut pas se marier à trois. Bah... Si. Plus on est de fous, plus on rit. Monsieur alors, comment ça se passe ? Vous êtes marié vous-même ? Bien sûr. Depuis combien de temps ? Oh là là, 50 ans. 50 ans de mariage ? Mais magnifique ! Ouais. Comment on réussit 50 ans de mariage comme ça ? Il faut être sourd et aveugle. Comment ? Il faut être sourd et aveugle. Sourd et aveugle ? Oui. Ah ouais, ça donne envie ça. Donc, comment ça se passe ? Vous allez vous marier vous-même ? Ah non, on est juste là pour visiter. Non, vous êtes pas pour... Non, c'est juste qu'elle m'a invité à venir... Ça, c'est votre copine ? C'est ça ? Non, même pas. C'est une amie. Vous venez avec une amie au salon du mariage ? Ouais. Vous êtes célibataires tous les deux, et vous vous êtes dit on va venir au salon du mariage, quoi. Est-ce que vous croyez pas que c'est une invitation à aller plus loin ? Non. C'est la première fois que je le vois, hein. Donc... C'est la première fois que vous voyez ? Ouais, c'est la première fois. La première fois que vous voyez, donc là, vous êtes en train de faire un rendez-vous galant au salon du mariage ? Non, on fait connaissance, on verra après. Mais vous mariez ou pas ? Non, moi, je suis pas marié. Pourquoi ? Bah, j'ai pas trouvé un trouple idéal encore. Ah ben... Bon bah allons-y. J'arrête tout ça. Allez, venez, on y va. Oh happy day. Je crois que j'ai réussi Philippe. Hein.